Quelle gestion de l'équilibre. Oh là là. Allez, on va l'applaudir. Bien bossé cette première difficulté. Le dernier super finaliste de ce Trigal Pro Series. Oui. Tranquille. Je crois qu'on peut l'applaudir. Je crois. Je ne suis pas sûr. Mais je pense qu'on peut le faire. Attention, cette dernière grosse marche à gérer pour notre champion du monde, Gilles Boustelier. Comme quoi, rien n'est facile même pour le meilleur. Allez, on se l'encourage un tout petit peu là sur ce passage. On y va. Bonjour. Bonjour. Alors donc pour Aix-les-Bavoc TV, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du Trial Pro Series, qui est donc votre discipline?
Enfin, Trail Pro Series, c'est une compétition sous le format Coupe du Monde du CIE en fait, qui regroupe les meilleurs mondiaux et qui est organisée par Event Performance et toute l'équipe de Jean Flambard en fait. Voilà. Voilà. Et donc, d'après ce qu'on a pu comprendre, trois fois champion du monde de la discipline, ce qui n'est pas rien. Voilà, exactement. En 2008-2009, j'ai perdu mon titre en 2010, mais je l'ai récupéré en 2011. Bah, tout ça, c'est très bien. Et maintenant, pour Gilles Coustelier, comment on voit l'avenir alors donc, Bon, ben, comme maintenant, en fait, continuer à faire des compétitions, à me battre pour la victoire, et voilà. Hein. Et donc, on peut espérer peut-être encore monter plus haut après ce genre de championnat. C'est ce que j'essaye tous les jours en m'entraînant, d'être plus dans le plus haut, mais c'est pas évident, mais bon voilà, il faut travailler dur. Eh bien Gilles Coustelier, merci beaucoup. Merci à vous. Et pour finir donc, pour revenir sur votre performance aixoise, donc vous pensez avoir fait une bonne course, vous pensez que... Sur la finale, j'ai pas eu de bonnes sensations sur le vélo, par contre sur la super finale, j'étais beaucoup mieux, donc je me suis vraiment fait plaisir. Ouais. D'accord, et bien on peut vous souhaiter que le meilleur pour l'avenir, alors merci beaucoup Gilles, merci. Et on vous laisse à vos occupations. Merci, merci et bon courage. Au revoir. Et aux boissons énergétiques. Bon, on continue, vas-y. Donc, du coup, aujourd'hui, on a la chance d'avoir quand même un petit peu de nuages. Donc, ça a été, quoi. On a donné le maximum. Voilà, troisième, hein, super. On l'applaudit ? Ah ouais. Applaudissons pour Aurélien. Guillaume. Alors Guillaume, tu gagnes hier le duel. C'était pas le but premier de ta participation à ce Trial Pro Series. Une deuxième place ici, est-ce que c'est là où tu te voyais quand tu t'es inscrit à cette compétition? On va dire pas du tout, mais c'est une très bonne surprise pour moi. Je me suis vraiment fait plaisir. Les zones, je les trouvais un peu dures hier et finalement je me suis pas trop mal débrouillé. Aujourd'hui, je les trouvais bien, donc voilà, je me suis bien fait plaisir. En tous les cas, on l'a vu, il a roulé super bien. Et on va surveiller Guillaume Dinan, on va l'applaudir sur cette saison. Bon. Je vais faire court, je vais terminer par Gilles. Gilles nous a sorti presque toutes les autres sauf une dans cette super finale. Qu'est-ce qui t'a manqué sur ce 4 de cœur? Pas un applaudissement peut-être. Faites-vous ou. Bon, c'est tout? Non, c'est peut-être plus la fatigue, le physique avec la chaleur. Donc, on enchaîne depuis hier en plein cagnard, donc c'est pas évident. Je me suis arraché sur les zones d'avant, les passages d'avant. J'ai réussi à passer le 6 de pipe, lequel. Ouais. Donc j'ai essayé pas mal de droite. Et la sortie, voilà, je m'en fais pour là, je pense que ça passait pas plus de droite. C'est toujours un assez échec. Ouais, on va quand même l'applaudir. C'est la seule chose qu'il a raté. Même si il a eu quelques petites pénalités à gauche à droite. En tous les cas, s'il vous plaît, excellent. Donc on va voir, on applaudit, on souhaite une excellente saison 2012. Voilà, merci.